Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée plus que particulière, puisque ce n'est pas l'avant-première d'un film suisse ou étranger qui sortirait dans nos salles demain, même s'il y aura la première absolue d'un montage réalisé par Fabrice Aragno dans quelques instants, et ce n'est pas non plus le début d'une rétrospective consacrée à un grand réalisateur, non. C'est une rétrospective, oui, qui commence aujourd'hui à la Cinémathèque Suisse en hommage au chapeau. Et, enfin, vous le savez, c'est pas de nous qu'est venue l'idée. L'idée nous a été soufflée par quelqu'un qui est un adorateur des chapeaux. Vous le savez, c'est Michel Curchaud, celui qui, depuis 20 ans, tire son coup de chapeau juste là en dessus, ici à Lausanne, mais on le sait aussi à Genève et à Berne. Quand on a discuté ensemble de l'idée de rendre hommage à ce coup de chapeau, tout de suite sont venues à l'esprit, c'est vrai, des images de films, et tout d'un coup, en creusant un peu, on se rend compte que le chapeau a une importance extraordinaire dans l'histoire du cinéma, énormément de fonctions différentes, énormément, il raconte des histoires, et comme je crois l'écrivait M. Curchaud, que serait Humphrey Bogart sans son chapeau, que serait Indiana Jones sans son chapeau. Bref, j'aimerais juste peut-être dire encore une petite chose avant de passer aux choses extrêmement sérieuses. C'est que non seulement il nous a apparu tout de suite que cette rétrospective ou ce cycle de films sur le chapeau était extrêmement pertinent pour parler du cinéma, ce qu'on aime bien faire à la Cinémathèque Suisse, mais qu'en plus de ça, il fallait faire la fête, c'est un anniversaire. Il fallait la faire ici, hein, on est juste à côté et cette salle est parfaite pour y rendre hommage. Et j'aimerais juste, avant toute chose, remercier Michel Curchaud pour le clin d'œil que vous avez croisé à l'entrée, puisque de voir deux ouvreurs en uniforme, comme ils étaient jadis ici même au Capitole, ça fait vraiment chaud au cœur et je suppose que l'ancienne propriétaire de cette salle, Lucien Schneck, serait très touchée de les voir en fonction aujourd'hui dans cette salle. Merci. Michel Curchaud. Alors mon rôle maintenant se limite à passer la parole, mais avant j'aimerais juste rappeler quels seront les temps. Dans quelques instants vous allez donc découvrir un montage réalisé par Fabrice Aragno autour du chapeau, montage évidemment personnel et subjectif réalisé par ce cinéaste lausannois d'adoption. Parce qu'il vient de Neuchâtel comme moi, mais il ne faut pas le dire trop fort. Sera suivie cette projection d'un apéritif qui vous est offert par la Banque Kramer, que l'on remercie ici. Et ensuite, à 20h30, la projection du Doulos, chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, et qui vous sera présenté par un homme qui a bien connu Jean-Pierre Melville, et qui forcément porte toujours le chapeau. C'est l'autre grand cinéphile, l'autre grand passeur du cinéma. L'un, c'était Freddy Buach, ici à Lausanne, et de l'autre côté de la frontière, à Imprégnon, c'était Rui Noguera qui officiait. Et c'est Rui Noguera qui sera ici sur cette scène pour vous dire quelques mots de Melville et du Doulos. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir l'homme qui porte si bien le chapeau, en l'occurrence Michel Curchaud. Et là, voilà. Dans l'ombre de la lumière. Merci Frédéric May de votre accueil ici dans cette magnifique salle. Je suis très étonné de vous voir aussi nombreux, de vous accueillir ainsi. Et à un moment donné de la préparation de cette soirée, j'ai été pris d'un gros doute. Je me suis dit, mais on n'arriverait jamais à remplir ou à mettre du monde dans cette salle. Donc on va le faire dans une beaucoup plus petite salle, à la Cinémathèque, dans la salle du cinématographe. Et pour finir, on a décidé de le faire ici et je vois qu'on a eu tout à fait raison. En fait, vous êtes venus très nombreux. Je vous remercie à tous d'être là, puis j'espère que vous passerez une excellente soirée. Je ne vais pas vous parler de cinéma. C'est plutôt la partie de Frédéric Maire et de Rui Noguera tout à l'heure. Je vais vous parler un tout petit peu du coup de chapeau, je vais essayer d'être pas trop long. J'ai pas mal de remerciements à faire.
Je commencerai peut-être par les débuts du coup de chapeau, les premières personnes qui ont encouragé, celles qui ont été dès les débuts présentes à côté de moi pour me pousser un tout petit peu dans le domaine. Je dois dire que là aussi, j'ai eu passablement de doutes pendant longtemps avant de monter ce petit magasin qui a été suivi de deux autres. Une des premières personnes que je citerai, c'est Zabo Hoffman, qui vient de Genève, qui est une modiste extrêmement connue et qui a été la première personne de la profession qui ne m'a pas vu comme un nouveau concurrent, mais qui m'a vu comme une possibilité justement de remettre un peu le chapeau sur les têtes. Et ce soir, elle nous honore de sa présence d'une part, et elle a conçu deux modèles tout particuliers pour les dames qui seront amenées à vous distribuer quelques petits souvenirs rafraîchissants par la suite. Une autre personne que je n'ai pas encore vue ce soir, c'est Heidi Ardalan, qui a donc conçu le logo du coup de chapeau, qui en plus d'avoir... Ah, elle est là, pardon, excusez-moi. qui a conçu le logo et qui a accepté 20 ans plus tard de reprendre son logo et de faire l'affiche que vous avez probablement tous pu voir dans les rues de Lausanne ou à l'entrée du cinéma Capitole. Heidi a fait cette affiche en collaboration avec Mathieu Geta, qui travaille également avec nous pour tous les visuels et le graphisme du coup de chapeau. Donc un chaleureux merci à tous deux. Parmi les premiers à avoir cru au coup de chapeau, et ce n'était pas du tout évident à l'époque, je me suis lancé sans fonds, sans argent, et il en fallait. Donc j'ai fait le tour des banques de la place, qui m'ont accueilli d'une façon assez bienveillante, mais avec un petit sourire en me raccompagnant à la porte. Du style « mais vous n'y croyez pas, cher monsieur, ça va jamais marcher, votre truc ». Et à l'époque, il y a eu une banque qui a cru dans cette histoire. Elle s'appelait alors Banque de dépôt et de gestion, située juste en dessous à l'avenue du Théâtre. C'est devenu depuis peu, elle a été reprise depuis peu par la banque Kramer, que je remercie énormément, encore une fois, monsieur Merle l'a déjà fait tout à l'heure, d'avoir assuré la pérennité de nos excellentes relations tout au long de ces 20 dernières années et de s'être engagé à nous offrir l'apéro qui sera servi tout à l'heure. Merci, merci. Pas tout à fait fini, si vous me permettez encore. Je tenais à remercier aussi la personne par laquelle le coup de chapeau est peut-être devenu connu dans le monde entier. C'est celui qui m'a poussé à rentrer sur l'Internet. C'est pas un génie de la Silicon Valley, mais de Lausanne. Il s'appelle Laurent Favert. Il est avec nous ce soir. Et c'est lui qui nous a fait un site Internet qui s'appelle www.chapeau.ch, que je vous engage à regarder de temps à autre, tant il évolue au gré des saisons, et qui est vu quotidiennement par plusieurs centaines de personnes, quand ce ne sont pas des milliers de personnes, à travers l'entier de la planète, tant il a été bien conçu et bien référencé. Maintenant, j'aimerais surtout aussi remercier toutes mes collaboratrices, parmi lesquelles, venant exprès de Berne, Ursula, qui est une figure bernoise extrêmement connue, Anita Messerli, qui est venue de Mora, Lucienne Monin, à Lausanne, nous avons Monique Balmer, qui est ici également, qui est là depuis plus de 12 ou 13 ans avec nous, Christa Pellet. À Genève, nous avons celle qui aujourd'hui est reconnaissable sous les traits de Mary Poppins, c'est-à-dire Brigitte Anger. Et pour ne pas oublier, alors la principale en fait, celle qui a été la première au courant de l'idée du coup de chapeau, Tatiana, qui a été la première à y croire, qui a été la première à m'y pousser en fait, à m'y supporter, et qui participe toujours à la bonne marche du coup de chapeau.
Donc cette soirée lui est également tout particulièrement dédiée. Je te remercie, Tatiana, pour tout ce que tu as fait pour le coup de chapeau. Elle est tout au fond là-bas, si vous voulez l'applaudir. Elle ne voulait pas se lever, mais elle est là. Voilà. Je crois, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, j'espère pas. La Cinémathèque, c'est évident. Monsieur Noguera qui nous fait l'honneur de sa présence, ça me fait très plaisir. Maintenant, j'aurais bien aimé vous parler un petit peu de moi, mais on est en Pays de Vaud, donc ça ne se fait pas du tout. Donc j'ai choisi de vous parler, encore 2 minutes, si vous me les accordez, de mon chapeau. Ce chapeau a une histoire quand même très particulière, qui est liée à la naissance du coup de chapeau. C'était un chapeau que j'ai trouvé, il traînait dans une brocante à Morges à l'époque, il était sur un tablard tout en hauteur dans une boîte, j'ai dû monter sur une chaise pour prendre la boîte, ouvrir la boîte, j'ai pris le chapeau qui se trouvait à l'intérieur, je l'ai mis sur ma tête et je me suis rendu compte que ce chapeau était exactement conformé à mon pourtour crânien, ce qui pour un chapeau haute forme, qui est un chapeau très dur, est quelque chose d'extrêmement rare, parce qu'en général, ces chapeaux doivent être conformés au pourtour crânien, en plus d'avoir la bonne taille. Et c'était un moment encore, une fois de plus, de grand doute. Est-ce que je vais ouvrir ce magasin? Est-ce que je ne vais pas le faire? Et j'ai enlevé le chapeau, et j'ai vu les initiales qui se trouvaient à l'intérieur. Ce n'est pas moi qui les ai rajoutées par la suite. Je laisse à monsieur maire éventuellement le soin de corroborer mes dires. Ces initiales étaient les miennes. Donc ce chapeau, en fait, qui avait été probablement fait dans les années 1920, était exactement mon chapeau. Et là, j'ai su tout d'un coup que le coup de chapeau allait naître et que c'était une chose que je devais faire. Voilà. Merci. Merci, Michel Curchaud. Je remercie encore Fabrice qui nous a fait un film absolument extraordinaire, qui est un film assez difficile de compréhension de premier abord, mais qui montre beaucoup, beaucoup de chapeaux, un foison de chapeaux, et c'est un film qui mérite d'être vu, revu et revu, tant il est plein de subtilité, de clin d'œil et d'intelligence. Fabrice, si tu veux bien, je te passe la parole. Merci. Merci. Quand je suis dans les merci aussi, merci de m'avoir proposé de faire ce film. En toute liberté, il ne m'a pas demandé de quoi, il m'a juste donné un grand sac rempli de DVD et de films avec une liste de notes comme ça que j'ai plus ou moins suivi. C'est vrai. Le chapeau n'est pas le sujet du film, c'est plutôt un fil que j'ai utilisé un peu pour tisser mes trucs en glissant des perles de cinéma dessus, un peu comme une espèce de collier. Mais le sujet, c'est plutôt né du fait d'associer des images autour de ces films et d'autres films que j'ai cherchés ensuite. Ça s'est révélé comme étant quelque chose qui pouvait avoir... ça m'a assez touché de parler du fait d'être pris ou emporté par quelque chose. Notamment, il y a un plan, que j'ai mis au début du montage, un plan d'À bout de souffle de Godard, où le personnage de Belmondo prend son chapeau et le met sur la tête de Jean Siebert. Et sentiment qu'à partir de ce moment-là, elle est prise dans quelque chose. Voilà. Donc je suis parti un peu dans ce voyage-là, le fait d'être pris par un sentiment, pris par un désir, pris par une folie, pris par la violence aussi parfois. Voilà. Donc c'est un. Et donc la mouette, dont le titre est issu d'une réplique, le tourbillon. Voilà. Donc ça fait ce montage. Parce que le titre du film, c'est pris dans le tourbillon. Pris dans le tourbillon. Voilà. Le film dure un petit peu moins d'une trentaine de minutes. Oui, 26-27. Je rappellerai aussi qu'après, donc, il y aura l'apéritif et que pendant l'apéritif, ne vous étonnez pas que les projections continueront puisque passera en boucle ici sur cet écran des images réalisées par la RTS sur le coup de chapeau. Donc ne vous étonnez pas. Et à 8h30, à 20h30, la projection du Doulos de Jean-Pierre Melville. Fabrice Aragno, Michel Curchaud, merci. Mais tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est génial de la taille de l'écran, la taille de la salle, pour faire un montage qui passe ici. Je rappelle juste que le film est fini. Oui, j'ai écouté ce matin ici, d'ailleurs, le mixage, j'ai mixé le film dans une toute petite salle. L'écoutant ce matin ici, je me suis dit, aïe, donc là, je vais courir en cabine. C'est plutôt là que je suis plus à l'aise, en fait, qu'ici devant moi.
pour peut-être encore corriger un peu en durant la projection un peu. Donc je serai avec vous derrière. Donc c'est une absolue première. Et bon anniversaire. Bon anniversaire. Et vive le chapeau. Vive le chapeau. Merci.